Il y a plusieurs façons d'accéder au carnet d'adresses. Vous pouvez accéder au carnet d'adresses en créant un nouveau courriel. En ayant le carnet ouvert, vous pouvez sélectionner les noms individuellement ou bien utiliser la fonction de recherche pour retrouver des noms spécifiques. Lorsque vous avez terminé votre message, cliquez sur « Envoyer ». Il est possible de créer votre liste de contacts personnalisée. Vous pouvez accéder au carnet d'adresses à partir du ruban. Vous pouvez sélectionner les noms désirés pour ajouter à votre liste de contacts personnels. Vous pouvez ajouter des détails additionnels ou enregistrer tel quel. Cliquez sur l'onglet « Contact » pour voir votre liste de contacts personnalisée. Vous pouvez partager votre liste de contacts personnalisée. Cliquez du bouton droit sur le mot « Contact », ensuite sur « Partager » et « Partager les contacts ». Sélectionnez la personne désirée. Cliquez sur « Envoyer » et « Oui ». Vous pouvez modifier la liste d'accès à vos contacts. Cliquez du bouton droit sur « Contact », ensuite « Propriétés » et allez dans l'onglet « Autorisation d'accès ». Sélectionnez le nom désiré et cliquez sur « Enlever » pour enlever la personne de votre liste d'accès.